like, why can I not sit with myself? What do I feel uncomfortable about? Start to think about this. I want you to realize you are not your trauma. You are not your trauma. Ma chambre qui est assez dégueulasse parce que enfin plein de poussière, de toiles d'araignée et tout, pas facile. Trouver les gens en train d'étudier pour me laisser, pourtant on s'était bien entendu ici pour étudier ensemble. Regardez mon cerveau de chauveur. LP, on est vraiment au milieu de nulle part, il n'y a que de la végétation partout. Lorsque tu fais des bêtises comme moi, tu laisses ta fenêtre ouverte, c'est tellement tu t'attends à retrouver des insectes, des araignées, tout ce qui est vraiment insecte, genre jetons en fait. Quand je pense que je dois nettoyer tout ça vraiment... Alors j'ai fini la majorité de mon ménage et le bilan c'est que un an cassé pour le moment. Vraiment c'est pas facile. Alors j'ai un mini frigo comme ça et j'ai fini de le laver tout nouveau, tout propre. Voilà. Finalement, on va aller faire des achats et tout et voir si on peut avoir des trucs qui nous manquent. So, let's go. Elle a payé juste pour moi les choses. C'est plus de vlogs ici. Merci Johanna. Dans un autre supermarché encore et j'ai toujours pas trouvé ce que je veux. C'était vraiment décevant. Si vous voulez venir à Yakola, pensez à ce côté. Il y a vraiment rien ici en fait. Nous sommes encore dans un autre supermarché, toujours à la recherche de ce qui nous manque. Et je pense encore que ça va pas aller. J'ai trouvé ce que je voulais. Je voulais ça, mais finalement j'ai pu prendre. Et puis je voulais ça. C'était vraiment difficile. Ha ha ha!
rêvé, j'étais vraiment fatiguée. Lorsque je suis rentrée sous la douche, là, c'est comme si je revivais à nouveau, en fait. C'est tellement thérapeutique, les douches, surtout les douches froides. Masterclass. Et j'ai fini de prendre ma douche, tout ça, tout ça. Je vais faire mon café et commencer à étudier. Il est 00h40 et on va dire dans 2h10, dans 2h20, 2h30, je vais arrêter d'étudier et je vais me coucher. C'est le plus important. En fait, je suis tellement choquée parce que j'ai tout bu et j'étais censée boire ça lorsque j'étudiais. Et lorsque j'ai commencé à étudier, quand j'aurais fait, qu'est-ce que je vais manger? En 2023, j'ai vraiment décidé d'être super organisée. Du coup, j'ai acheté un planeur. Surligneurs comme ça et ils sont vraiment pratiques parce qu'il y a une tête pour surligner et il y a l'autre tête pour effacer au cas où tu te serais trompé et tout. Du coup, c'est vraiment pratique. Je les ai eu à China Mall pour les intéresser. Alors, ce que ça donne pour mon premier jour demain, j'ai un peu fait le résumé de ce que je dois faire et tout. Et je pense qu'ici, c'est un bilan de fin de soirée. Les choses sérieusement commencé. Du coup, j'aurais besoin de concentration. Donc, j'ai arrêté le vlog là. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos en commentaire et n'oubliez pas de liker, partager, bon. En tout cas tout le blablabla que les autres ils me diront, n'oubliez pas, souhaite vraiment le meilleur dans tous vos projets, vos études, votre business. Bonne année 2023, que vraiment cette année soit une année où on peut être vraiment productif dans ses études, dans sa vie, dans ses affaires et tout. Donc je souhaite vraiment le meilleur, mes meilleurs voeux et